Dans les ruelles de Wuzhen, les grands noms du secteur du numérique se déplacent entre les différentes séances de la 5e conférence mondiale de l'Internet. Les représentants africains y sont très actifs. Ça a été une bonne occasion de se rencontrer avec différentes personnalités. Et puis, on a pu échanger sur les avantages de l'Internet, les opportunités et les défis que nous pouvons faire face. Depuis 5 ans, la conférence favorise les progrès dans le secteur digital en Chine, mais aussi dans le monde entier. Avec à l'esprit l'ouverture, les organisateurs chinois invitent les représentants de plus de 80 pays pour partager les opportunités qu'apporte le développement rapide du marché digital chinois. Nous sommes venus à cette conférence au nom du Kenya parce que nous voulons connaître la direction du développement du marché digital pour le comprendre et y contribuer. Il y a plusieurs niveaux de coopération dont nous avons besoin dans les infrastructures, par exemple pour la 5G. La technologie est introduite en Afrique, surtout par le Kenya, par la coproduction de contenus comme les séries télé et films, et pour voir comment mettre en place le système de sécurité. D'ailleurs, nous voulons que le smart device devienne abordable pour tout le monde. Ce n'est pas le cas maintenant. Avec toutes ces aspirations, nous nous permettons de voir comment nous pouvons coopérer étroitement avec la Chine, pays où il y a beaucoup d'entreprises qui sont au premier rang à l'échelle mondiale. Un forum ministériel est organisé autour du sujet « Combler le décalage digital ». Les ministres chinois et étrangers y ont partagé leurs expériences. Nous avons appris le développement des technologies les plus récentes du monde et cela surtout en Chine, par exemple l'intelligence artificielle, l'informatique nuagique ou les mégadonnées. Nous avons appris particulièrement sur le sujet du décalage digital. Ce problème existe partout dans le monde. Au Mozambique, ce décalage existe entre les groupes sociaux, les provinces et les régions. Nous apprendrons de vos expériences, trouverons des solutions et des politiques à prendre pour résoudre cela. Nous sommes convaincus que les programmes en coopération avec les entreprises chinoises et d'autres pays nous aideront à éliminer le décalage digital.